Nous sommes en plein centre de Valoris, réputé pour ses céramiques, sa poterie, et ça tombe bien, puisque nous avons rendez-vous avec Justine, qui s'occupe de la boutique Les Petites Porcelaines. On la retrouve tout de suite en pleine création. Suivez-moi. C'est ici que ça se passe. Bonjour Justine, Bonjour. je vous dérange, je me permets en tout cas de vous déranger en plein, en plein travail. Euh, comment, comment ça va Comment ça se passe Ça va très bien, j'ai réussi ma pièce donc je suis, je suis très contente. Ça n'arrive pas souvent mais, <laughs> mais ça fait plaisir. Bon expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes concrètement en train de, en train de faire parce que moi je découvre, je n'y connais absolument. Rien. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites tout simplement euh, bah, Tout simplement, j'ai pétri ma terre. J'avais une boule à la base que j'ai percée, que j'ai montée pour faire un pichet. Donc euh, voilà, j'ai réussi mon pichet. Je suis contente parce que c'est vrai que d'habitude la terre, euh, elle fait un peu ce qu'elle veut. C'est vrai qu'au début, elle s'est évasée, donc elle a voulu faire un saladier, mais je l'ai repris. J'ai réussi à la resserrer et à la monter bien. Donc, euh, donc voilà. <laughs> donc là, comment s'appelle cette, cette étape Là, c'est le tournage tout simplement. Euh, c'est le tournage. Euh... Vous disiez tout à l'heure que la Terre faisait un petit peu ce qu'elle voulait. C'est quoi aujourd'hui la chose la plus difficile à faire dans votre métier au quotidien Qu'est-ce qui vous rend la tâche assez compliquée euh, bah, tout simplement ce que, ce que je travaille, moi, c'est de, de la porcelaine. Donc en fait, c'est une terre vraiment très très molle, très très délicate. Et voilà, ce qu'il faut, c'est être le plus délicat possible, l'écouter le plus possible, le plus possible, mais toujours en, en l'affinant en fait. c'est une terre qui se travaille vraiment de très très fine. Et ensuite, toutes les étapes de fabrication sont vraiment très complexes parce que justement, les pièces à, à manipuler sont très fines. Et ensuite, même si on a récupéré la pièce, même si on l'a réussie, il y a la cuisson. Et là, la cuisson, c'est la grande surprise. C'est-à-dire qu'une pièce parfaitement réussie peut sortir complètement ratée de la cuisson. Et ça, on ne contrôle pas malheureusement. C'est l'étape qui complique tout. Quoi. Voilà, c'est l'étape cruciale, mais qu'on ne peut pas contrôler. Bon, là, en tant que novice et forcément amateur, je suis un petit peu obligé de vous poser la question quand je vois ce genre de matériel. Moi, ça me fait penser tout de suite à un film extra connu. Ça y est, vous me voyez venir. Je ne suis pas Patrick Swayze. Vous n'êtes pas demi-mour, mais c'est obligé. Vous, ça, ça parle aux gens, ce genre de choses. Vous, on vous fait souvent ce genre de réflexion. Ah oui, tu travailles autour de la machine. Euh, en fait, c'est tous les hommes. Les femmes ne font jamais le rapprochement, mais tous les hommes font le rapprochement. On a dû garder cette image de toi. Ça m'étonne. Euh, voilà. Donc, euh, oui, oui, en plus, euh, moi, je ne connaissais pas du tout ce film au début, puis on en a parlé euh, après. Et. Ben c'est un peu la magie, euh, la magie du tournage. Hein, c'est vrai d'avoir les mains dans la terre comme ça, de, de créer une pièce sur le tour, euh, c'est assez magique. Hein <laughs> bon, ça n'est pas la seule étape, on l'a bien compris. Euh, je vous laisse euh, continuer tranquillement et puis on fera ensemble un petit tour de, des différentes étapes justement de, de création de, de vos produits. On fait ça comme ça. D'accord. Alors là, on va changer d'univers. Le côté atelier, on le laisse de côté pour l'instant, avant de parler des différentes étapes de fabrication. Et là, on est vraiment presque à la maison. C'est très cosy, on se sent vraiment très bien. Cette boutique, déjà, avant de faire un petit tour du propriétaire, j'allais dire, vous y êtes depuis combien de temps euh, Bah, ce mois-ci justement, ça fait trois ans en fait que je suis installée, que je suis ici, que je suis posée ici. Euh, donc, donc voilà, c'est, je suis très contente parce que j'ai déjà j'ai beaucoup d'espace et puis euh, je suis dans un endroit assez vivant de Valoris où il y a la place, où il y a le marché, où il y a tous les commerces. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa d'être ici, ouais. Et puis j'allais dire, Valoris, dès qu'on parle de Valoris, on a parlé de poterie, on a parlé de, de céramique aussi. C'est presque tout naturel d'être dans cette ville pour vous aujourd'hui. Oui, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire au niveau de la céramique, puisque ça fait des, des années et des années. Au début, ça a commencé vraiment avec la vaisselle culinaire, et puis après, euh, euh, les massilles ont découvert des émaux, puis Picasso est venu et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment riche en histoire au niveau de la céramique. Est-ce qu'aujourd'hui, et... c'est toujours le cas Est-ce que ça se perd un petit peu Est-ce que justement, votre génération est aussi là pour donner, j'allais dire, un petit coup de, de boost à, à ce métier ben, En fait, ce qui est différent d'avant, c'est que maintenant, euh, il faut, c'est vrai, absolument faire des études. Donc, euh... Avant, on apprenait dans les ateliers à faire de la céramique. On arrivait, on avait 10-15 ans et on se mettait sur le tour et les potiers nous apprenaient à tourner. Maintenant, il y a des formations. Moi, j'ai fait une formation de 6 ans pour être céramiste qui sont vraiment complètes. Donc, on sort de là, on peut s'installer tout seul sans être forcément appuyé par un potier. Si on fait un petit tour du, du propriétaire et qu'on regarde un petit peu les, les produits que vous, vous pouvez proposer. Mon modèle un peu phare de la boutique, le petit truc, c'est le filtre à thé. Donc, j'ai inventé, ça va faire bientôt 2 ans. Donc, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est un petit filtre dans lequel on met du thé et on laisse infuser. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est en porcelaine parce que la plupart des filtres à thé qu'on trouve sont en métal. Et donc là, c'est quelque chose qui se nettoie vraiment très facilement, qui donne aucun goût au thé et qui le laisse s'infuser. Puis en plus, c'est magique parce qu'on peut le voir s'infuser justement dans la tasse. Ce qui est bien avec la céramique, c'est qu'il y a à peu près 1000 manières de la, de la manipuler. Donc, il y a le tournage, mais il y a aussi, par exemple, pour ces bols, c'est la collection dentelle. Là, c'est du travail à la plaque, donc, euh, donc j'ai voilà, ça n'a rien à voir puisque c'est une forme complètement irrégulière et dans laquelle j'imprime en fait, je, je, je presse de la dentelle. Donc euh, là, voilà, c'est du travail à la plaque, donc j'ai fabriqué un moule en plâtre où il y a le, le creux du bol à l'intérieur. Et ensuite, j'ai mis des plaques euh, que, où j'ai écrasé de la porcelaine dedans. J'ai mis des plaques dans le, dans le moule en plâtre. Et donc, euh, donc, ça donne en fait plein de petites pièces uniques parce que la dentelle a été placée de, de manière un peu n'importe comment euh, dans le bol. Quand je suis arrivée en fait, ici, c'est la, la première collection que j'ai créée. Euh, J'avais envie de mettre des petites roses un peu partout. Donc, euh, donc j'ai fait ça, j'ai mis des petites roses. Et ça a commencé par, euh, par une théière. Donc, euh, voilà, une théière comme ça. Et puis, je me suis dit, bah, il fallait des... Tasses. Donc, j'ai fait les tasses, le sucrier, le poêlé, et puis suivant la demande des gens, en fait, le service s'est vraiment agrandi parce que les gens voulaient des assiettes, voulaient proposer des gâteaux, voulaient des vases. Et donc, c'est une collection que j'essaye vraiment d'agrandir pour avoir le, le plus possible de pièces à proposer aux gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans l'atelier et puis on va suivre un petit peu les, les différentes étapes de, de fabrication parce qu'il en faut pour, pour arriver à, ouais. à cette belle réussite. Ouais, ouais, ouais. Allez-y, je vous suis. Retour à l'atelier du coup pour en arriver au produit qu'on a vu en boutique. Il y a du boulot, pas mal de temps, pas mal d'étapes. Euh, on va finir par s'attarder sur ces étapes. Alors on va partir peut-être du produit brut. Comment, comment ça se passe quand vous, quand vous vous lancez sur un projet euh, Alors tout simplement, je reçois ma terre que je vais chercher. Donc ça c'est de la porcelaine qui vient de Limoges. Donc je la reçois en, en pain en pain comme ça. elle est, elle est assez molle. Donc une fois qu'elle est pétrie, je vais la tourner. Euh, donc euh, la, terre... la fameuse étape Patrick Suez. Voilà, exactement, <laughs> euh, avec un petit peu moins de un. Hein oui, euh, c'est beaucoup plus professionnel, on est d'accord. <laughs> voilà, c'est ça. Et donc euh, là, la terre, il va falloir qu'elle raffermisse légèrement pour que je puisse en fait euh, la tournaser et c'est-à-dire en fait euh, enlever euh, l'affiner et former le, le pied de la pièce s'il y a besoin. Donc par exemple là, euh, comme c'est un pichet, il n'y a pas de pied, mais si c'est un bol, euh, il va y avoir un pied, euh, un pied sur la pièce à, à tourner, à tournaser. Ensuite il y a ce qu'il y a le, le garnissage c'est à dire que s'il y a des anses ou des petites fleurs à coller comme on a vu tout à l'heure donc euh, là par exemple euh, c'est une anse que j'ai fabriquée donc euh, là un petit peu ma spécialité en fait c'est de coller tout ça à sec, normalement ça se colle quand les pièces sont humides, sauf que moi je colle tout à sec, c'est à dire que je prépare tout à l'avance et une fois que les pièces sont sèches et que les, les anses sont sèches, je vais tout coller donc là par exemple c'est une anse de pichet que je vais pouvoir euh, coller sur, euh, sur le pichet une fois que le pichet aussi sera sec. Voilà. D'accord. Et... Vous avez aussi ce qui vous caractérise un petit peu. Je vois des, voilà, des, des petites, petites roses. voilà des petites roses. Les petites roses, donc que je fabrique une par une à la main. Donc elles sont toutes elles sont toutes différentes. Donc pareil. Donc je les fabrique une par une et j'attends qu'elles sèchent avant de les coller. Ça donne un petit côté très euh, british, un petit peu, j'allais dire. Ah, mais c'est exactement ça, en fait. Hein. Oui, oui c'est exactement ça. Je m'inspire un peu des, des services anciens euh, de Versailles et tout ça, mais surtout aussi des services anglais, euh, tout ce qui est service à thé. Une fois que tout a été collé, que tout est sec, on va le cuire une première fois dans un four électrique. C'est ce qui se trouve euh, là-bas. Voilà. Ouais. Donc euh, moi, j'ai un four un peu différent de ce qu'on peut voir. C'est un peu des nouveaux fours euh, qui ont rien de mieux, mais qui coûtent en fait un petit peu moins cher, tout simplement. Donc ça c'est un four électrique. Il euh, y a des résistances à l'intérieur qui vont chauffer et donc qui vont chauffer l'ensemble du four. Et donc une cuisson à peu près, ça dure 8 heures. 8 heures de cuisson. Et là ça donne ce qu'on ouais. qu voit là. Ça donne ça. Donc la terre est légèrement rosée parce qu'en fait il y a du fer tout simplement dans la terre. Donc on la voit un petit peu rose. Elle est cuite et elle est poreuse, mais elle n'est pas complètement cuite, puisque dessus on va appliquer un émail, donc c'est un peu comme une poudre de verre euh, trempée dans l'eau qui va donner en fait un aspect brillant. Donc là, on voit les pièces euh, dessus qui sont blanches, euh, qui sont un peu un aspect rugueux euh, parce qu'il y a de l'émail dessus. Mmh. Et donc euh, là, une fois que tout est appliqué, on va évidemment on va bien nettoyer le dessous de la pièce parce que l'émail c'est comme du verre, donc ça va coller à la cuisson puisque ça va fondre. Et on va le recuire une deuxième fois. Et là, la cuisson est beaucoup plus longue. Elle dure à peu près 10 heures. Et là, c'est 1230 degrés la cuisson. Et donc, ça donnera un aspect beaucoup plus brillant à la pièce. Je ne pouvais pas terminer cette petite visite à Valoris et avec Justine sans... Faire mon Patrick Suez. Alors, je sais, il y a du boulot. Euh, C'est possible, on va essayer. En tout cas, je, je... Bien sûr, Mais pas, pas trop peur. peur. Non, non, pas du tout. C'est surtout pour vous, en fait. <laughs> D'accord, je risque, voilà, je me risque, en tout cas, à la création. Mon côté artistique, vous allez voir, ça va être assez limité, mais on va, on va tenter. Oui, bien sûr. Allons-y. <laughs> Hop mmh. Oui, moquez-vous. Moquez <laughs> pour des raisons de timing, on n'a pas pu vous montrer toutes les étapes qui m'ont poussé à réaliser ce, ce magnifique chef-d'œuvre, parce que je peux pas non plus tout uh, tout montrer à l'image. Mais voilà, pour une première, c'est pas trop mal. Oui, oui, c'est vraiment très très bien. Euh, là, les dix années de tournage, n'y en a pas besoin. Vous savez tout de suite le faire. Magnifique. On n'y croit pas une seconde, bien évidemment. Euh, merci en tout cas euh, pour tout, Justine, parce qu'on a passé un super moment avec vous, même si je me suis un petit peu ridiculisé, mais c'était un peu le, le jeu aussi. Euh, on vous souhaite Plein 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 de bonnes choses pour votre, votre boutique et bienvenue à Valoris en tout cas pour ceux qui, qui sont intéressés par ce type de métier. Dernier mot, la saison estivale dire, va commencer, l'occasion de vous retrouver aussi, puisque à Valoris, il y a pas mal d'exposants qui vont être concernés entre juin et octobre, par certaines manifestations. Oui, c'est ça, donc, euh, comme tous les deux ans, il y a la Biennale en fait, d'art de céramique contemporaine à Valoris, donc de juin à novembre, euh, on peut se balader vraiment dans toute la ville, il y a plein de lieux d'expo, avec des, des créateurs de, de, tout, de tous les pays en fait, du monde entier, là cette année, il y a la Russie qui est invitée, et donc c'est vraiment sympa parce qu'on se balade dans plein de petits lieux de, de Valoris et on peut voir en fait toutes ces... Il y a de la céramique contemporaine mais il y a aussi un petit peu de la céramique classique donc il y a vraiment tous les genres et c'est super sympa à voir. Vous avez compris le message et puis si vous voulez faire une rencontre sympathique avec Justine, les petites porcelaines de Justine c'est à Valoris. Merci encore une nouvelle fois pour, pour votre accueil et, et plein de bonnes choses pour, pour la boutique et pour vous. Merci beaucoup. À bientôt.